Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa et ses diamants. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu de diamants. Rappelez-vous, j'avais pris, je sais plus chez quel partenaire, des jolies fleurs, vous savez, pour mettre au frigo, ça fait des aimants, comme ceci. Je crois que j'en ai 6, 2, 4, 6. Donc on va diamanter ensemble. Je vais zoomer. Pourquoi ça fait ça? Je sais pas, par moment ça... Attendez. Voilà. Est-ce que ma main... Ça fait des à-coups, non? Non, je croyais. Alors, on va regarder quel modèle on va faire ensemble. On va faire celui-ci. Donc, celui-ci. Je vous mettrai ici, je vous mettrai aussi en barre de description le lien du site et le lien de l'article. Et après, on a juste à enlever la petite opercule. C'est du scotch. On le met là et ça fait un aimant. Voilà. Alors, on va regarder les diamants. Je m'en rappelle plus trop. Alors, on avait des strass ronds, roses, enfin, oui, roses, des noirs classiques, encore des roses, des violets, des gris un peu noirs, des argentés, des roses comme ceci, fastés, des bleus, des yeux de chat roses et des yeux de chat verts. Voilà. Alors, on va faire les 1. Et les 1, c'est quoi? C'est du rose. Alors. Hop. Désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a coupé. Alors, j'espère que ça va aller. Je ne sais pas ce que ça a fait. Je vais surveiller que je ne parle pas dans le vent. Que ça ne coupe pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, on était là. Je vais faire les petits i. J'avais dit que c'était du 1, mais non, c'était du i. C'est ça que j'étais en train de vous dire. Et puis, je me suis aperçue que la caméra s'est éteinte. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Je remets un peu de pain de cire. Bon, je vous reprends. Nous sommes le lendemain parce que ma vidéo, en fait, mon téléphone a chauffé. Vous voyez ma toutoune derrière. Elle a allongé. Vous la voyez, elle est juste là. Il fait très très chaud aujourd'hui. Et ouais, mon téléphone, en fait, hier j'avais commencé à faire la vidéo, vous avez commencé à voir 2-3 minutes, et mon téléphone s'éteignait parce qu'il chauffait. Je sais pas pourquoi. Donc, je vais reprendre. J'avais choisi ça. Pour vous, ça change rien. Je vais peut-être zoomer un peu. J'ai dit, tiens, je vais continuer ma vidéo, ça va me changer les idées parce que aujourd'hui était une journée compliquée. J'étais à un enterrement, donc c'était pas très... C'était dur. Donc, petite vidéo pour changer les idées. En fin de soirée, voilà. Je suis toute seule, enfin, j'ai ma fille qui est là et j'ai dit... Je vais essayer de reprendre ma vidéo et mon téléphone, tout va bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier. Mais comme je le chargeais en même temps, à mon avis, ça doit être ça. Alors, toujours les petits i. C'est toujours des petits aimants pour le frigo. Vous trouverez plein de modèles. Il y a plein de modèles bien sympas.
Ma petite belle-fille en avait fait en tête de mort à mon fils. Je crois que je vous l'ai déjà dit en vidéo. Alors, le soleil est enfin là. Il fait très 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 chaud. On va pas se plaindre, mais c'est trop d'un coup. Mais annonçant des orages. Il ne faudrait pas que ça casse tout. C'est ça le problème. Parce que là, il y a presque 15 degrés d'écart entre il y a 3 jours et aujourd'hui, quoi. C'est vraiment... C'est quoi, ça? C'est une guêpe? Une mouche? Mais il revient, papa. Oh. Le chien, elle est triste parce que son maître est parti. Et vous la voyez derrière. Je suis sûre... Ah bah là, vous la voyez plus parce que j'ai zoomé. Attendez, je vais vous dézoomer. Parce qu'on m'a dit qu'on voyait plus mon chien en vidéo. Alors, regardez. Hop, coucou toutoune. Coucou ma toutoune. Voilà. Voilà. Petite dédicace à ma petite Alex. Tu vois, Alex? Toutoune, elle est en vidéo. Parce qu'Alex, elle m'a dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ton chien en vidéo. Ben voilà, ma toutoune. Là, chaud. Il fait des grandes balades à la fraîche avec son maître. Je suis désolée si vous entendez les bzzz. Il y a une mouche là. Elle est partie. Ah, j'ai moitié mal à la tête. J'ai bu un petit café, je pense que ça va passer. C'est voilà, l'émotion et tout qui est redescendue. Quand c'est une personne jeune, c'est dur. C'est le frère de ma meilleure amie, donc c'est... En même pas 2 mois de temps, c'est... Ouais, c'est dur. Pour ça, j'ai dit, allez, Marie est partie pour le match avec un copain. Je dis, bah moi, je reste là. Je vais faire, je dis à ma fille, je fais une petite vidéo, ça change les idées. Du coup, il va pas manger à la maison. Ben moi, je sais pas ce que je vais faire, un truc vite fait, moi et ma fille. Mais comme ça, je vais peut-être vous faire une deuxième vidéo. Hein, qu'en pensez-vous? Vous êtes content de me voir et de m'entendre? Et ben moi aussi. Voilà. Juste avant, je brodais ma lotus. Elle avance, elle avance. Bon, bientôt, vous allez voir Vanessa avec des nouveaux ongles. Quelle couleur, je ne sais pas. Parce que là, en plus, là, j'ai mis un pansement parce que je me suis fait mal. J'ai un gros bout d'ongle qui va tomber. Et j'ose pas le couper, ça me fait très très mal. Je vais essayer de le couper avant d'aller chez l'esthéticienne, mais ça va me faire mal. Peut-être envie de faire rouge, je sais pas. Je réfléchis. Je vous demande pas où, parce que quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà changé de couleur d'ongle, donc c'est dommage. Puis il faut que je vernisse Nicole aussi. Ma belle-fille, elle a fait des sous-verts Groot. Il faut que j'y vernisse Nicole. J'ai toujours pas fait. Là, quand j'aurai fait les petits aimants, je ferai tout en même temps. Hop. Alors, on va faire quoi comme couleur? Eh bien, on va faire les M. Alors, attendez. Que je fasse pas tomber tout. Hop. Alors, les M, c'est quoi comme couleur? Et ben, c'est le noir comme ça, mon ciseau. J'ai plus de ciseau. Ah, si, il est là. Ah, j'ai eu peur, je croyais que ça ne filmait plus. J'ai eu un moment de... J'ai fait... Ouh! Tiens, si, ça filme. Vous êtes toujours là. Alors, les M.
Hop. Ouais, c'est du guéri un peu comme ça. Voilà. Peut-être vous rezoomer un petit peu. Voilà. Alors, voilà, on est là. Quoi vous dire? Bah, dans un mois, Vanessa va être en vacances. Ouais. Ça va vite arriver. Espérons quand même que le soleil reste un peu. Mais c'est vrai que c'est trop d'un coup. On passe de 12-13 degrés à 30. C'est ça aussi, notre corps n'est pas habitué. Hein. Notre corps n'est pas habitué. Puis vous savez, hein, moi je travaille en extérieur, alors quand il fait froid, eh ben, c'est embêtant. Et quand il fait chaud, c'est embêtant aussi. Mais comme je dis, vaut mieux avoir froid que chaud. Parce que chaud, on ne peut pas plus se découvrir que froid. Bah, si on a froid, on met voilà, un pull, une écharpe, un bonnet, voilà. Quand on a chaud, bah, on a chaud. Donc moi, je mets toujours des trucs assez légers. Enfin, quand on peut. Pas de pantacourt parce que je travaille dans un environnement où c'est dangereux. Je sais qu'il y a des collègues qui le font, mais moi, j'ai... Voilà, des jambes enfin, quand même assez fragiles. J'ai déjà assez de bleu comme ça partout. Donc, et bon, je mets un pantalon plus léger. Je pense que demain, je vais le sortir. Je ne l'avais pas encore sorti, mais demain, à mon avis, il va faire chaud. Comme aujourd'hui, j'ai fini à midi, je n'ai pas travaillé cet après-midi. Bah, ça avait pu se prendre. Ah bah oui, j'ai plus de le pain de série, je sais pas. Trop chaud. Au soleil, mon chien, il fait chaud. Reste au frais à la maison. C'est bien étonnant que mon mari n'a pas monté encore le rafraîchisseur d'air. On avait acheté ça il y a 2 ans. Parce que mon mari ne supporte plus la chaleur. C'est horrible. Avec le traitement qu'il a eu et tous les traitements qu'il a, c'est... De toute façon, il y avait dit, hein. Avec les rayons et tout, ça engendre de la chaleur. Alors là, j'en ai un qui est retourné. Alors, je vais le remettre parce que j'ai bougé. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu de plus près si vous voulez. Alors, c'est bon, hein? Moi j'aime bien. Demain on saura si ma fille allait accepter dans son lycée. Du coup mon mari il va y aller parce que... Et comme ça on aura les papiers, comme ça après en fin de semaine on pourra... Déjà le soir on pourra l'inscrire par internet et faire l'inscription au lycée directement. Comme ça fait déjà du stress en moins. Ça fait bizarre de dire que ma fille elle va être plus collégienne, elle va être lycéenne. En plus hier elle a couru. Oh, elle est revenue avec les bras, elle a attrapé des coups de soleil. Puis c'est vrai que j'ai pas pensé de lui donner de la crème solaire. Je pensais pas qu'il ferait si chaud en fait. Non, c'est...
celui-là, il est inversé. Hop. Je vais remettre un petit peu dans ma barquette. On va essayer de finir celui-là ensemble. Et puis après, les autres, moi, je les ferai de mon côté. Je pense qu'on aura peut-être le temps de finir celle-là. Fait chaud, ça se trouve, je vais avoir du mal à m'endormir. Je vais aller ouvrir la fenêtre de ma chambre, mettre les volets un petit peu en espagnolette, comme dit mon mari, en crémone. Est-ce que vous connaissez cette expression en crémone? Moi je dis en espagnolette, là il dit en crémone pour m'embêter. Mais je vois pas ou quoi? Voilà, je pense que j'ai fini les M. Et là, on va faire les A. Et les A, c'est des noirs classiques, je le vois ici. Ouais, vous voyez, du noir classique. Alors, pour vous situer, aujourd'hui, nous sommes le 25. Et il y a la France qui joue. Je suis en train de regarder en même temps, à mi-temps, toujours 0-0. On ne sait pas ce que ça va donner. Alors, les A. Hop. Je vais... ça va aller, il n'y aura pas besoin de remettre de la cire, et puis des fois, je sais pas pourquoi, je vais en remettre souvent. Alors peut-être avec la chaleur, je ne sais pas. Ça va faire 5 ans hein, que je fais du diamond painting. 5 ans bientôt. Ça passe vite. Hein. Ah, j'ai oublié un M. Là. Je le mettrai après. J'ai découvert ça par hasard. De toute façon, je vous ai expliqué, j'ai fait un tag. Donc, j'ai répondu, je crois, à cette question. C'était dans le point de croix, mais j'ai répondu, je crois, à cette question. D'ailleurs, il y a un tag Diamond Painting, il faudrait que je vous le fasse. Je le ferai dans un futur blabla d'épée. On va redescendre un petit peu par là. Je vais en remettre parce que j'en ai pas mis assez dans la coupelle. Et vous, est-ce que vous regardez la Coupe d'Europe? Vous allez dire non, j'aime pas le foot. Moi, j'ai un mari qui regarde énormément le sport. Bon, des fois, je regarde avec lui, ça dépend. Des fois, oui, des fois, non. Bon, je suis habituée. Il regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup le sport. Moi, vous savez, je suis une grande fan de Roland Garros. Et je pense qu'on va regarder les JO. Tout nous intéresse. Enfin, moi, tout ne m'intéresse pas, mais on va regarder. C'est, voilà. En plus, ça se passe en France. Donc, c'est sûr que là, cette période-là, je ne voudrais pas être parisien. Je l'étais parisienne. En 96, j'ai été parisienne. J'ai connu la Coupe du Monde 98. Et oui, j'y étais. Sur les Champs-Élysées, j'y étais. Et j'aurais pu rencontrer mon futur mari. On était au même endroit, mais on ne se connaissait pas. On ne serait pas aimé, comme on a dit.
On n'était pas pareil l'un et l'autre et on n'était pas. Non. On ne serait même pas regardé, c'est sûr. Mais comme quoi, la vie. Hein. Voilà les A. Terminé. Alors, je vais reprendre le M que j'ai laissé de côté. Et j'ai oublié les petits M. Il est où? Il est là. Hop. Alors, les 8. Eh bien, les 8, c'est les roses qui sont là. Hop. J'ai remarqué dans mes vidéos, je dis beaucoup hop, hop. Voilà, un rose un peu plus foncé. J'en ai pas beaucoup. Après, j'ai des X, des T et des H. Voilà. Alors, des X, c'est des violets, je dirais même des parmes, un peu. Vous voyez ? Il n'y en a pas beaucoup, j'en ai juste 3 à poser. Hop. Vous voyez, je viens de dire encore hop. Ensuite, j'ai un O aussi. Alors, j'ai des H. C'est cela. J'ai des T. Et j'ai un O. Pour le O, c'est un rose comme ça holographique. Je vais devoir remettre du pain de cire parce que ça ne voulait plus. Bah. Je n'ai pas mis. Bah, je peux pas les prendre. Je vais essayer de le prendre à la main. Voilà. Parce que je sais pas, ça voulait pas. C'est peut-être la texture. D'habitude, j'y arrive. L'été, c'est des ronds bleus. Cadré, vous voyez bien. Voilà, ça fait joli. Hein. Et puis après, les H, c'est des œufs de chat verts. C'est ça. Bah pourquoi j'ai du mal à les prendre? C'est peut-être la chaleur. Hein. En fin de compte. Vous avez vu, ça veut, mais je vais essayer de les mettre à la main. J'ai pas pris ma pince. Voilà. Ils sont un petit peu... avec de la saleté. Ils sont pas très très nets. Voilà. Toujours 0-0. J'ai levé la tête. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Ça fait joli, hein. Toutoune. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Moi, de toute façon, je vous mets le lien de l'article et le lien de la boutique en barre de description. J'espère que ma vidéo vous plaira. Vous verrez sûrement les autres produits terminés soit au mois de juin, soit au mois de juillet.
Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand est-ce que vous regardez ma vidéo. Je dézoome quand même. Un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous embrasse. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.